19h, nouvelle émission The Big Gameoski, es-tu toujours la fidèle viewer? Oh, je t'aime, toi. Quoi? T'es à nouveau? Bah, je t'aime aussi, enfin, que diable. Et je vais t'inviter à te battre de manière ardue et hargneuse contre le mal au travers de cette nouvelle preview de ce jeu qui s'appelle Vigil The Longest Night. Il est prétendu comme jeu plateforme baston relativement ardu. On va le vérifier tout de suite avec cette preview. Alors, les fans de Castlevania vont pas être trop dépaysés puisque le jeu, je pense, s'inspire pas mal de ce titre. Maintenant, reste à savoir si l'on a la souplesse. On va se mettre en easy, histoire que je vous en fasse voir un max. Apparemment, on vient de trouver la brasserie où se fait une IPA magique, paraît-il. On va voir ce que ça donne, concrètement. Oui, la technique Monsieur K, taper d'abord et puis discuter plus tard. Et puis ce mélange de rat avec le poisson des Simpsons, avec plein d'yeux, c'est pas très important. Alors on m'a pas montré de touche pour me défendre. Ah, ça doit être ça. Probablement. Descendre à travers ça, c'est cool. C'est ça, c'est ce que je viens de faire. Ouh la vilaine bête. Si tu m'affiches quelque chose pendant le combat, mon gars, on va pas s'entendre. Ah
Ça reste que du classique, on peut améliorer ses skills, équipement, pas mal de choses à gérer. Un arbre de compétences comme par hasard. Oui, nos amis asiatiques sont très fans de ça. C'est un jeu asiatique, ça se voit. Il me faudra des points. On y va. J'ai perdu ma roulade déjà. Ah, je me suis réparé pour rien. Qu'est-ce que j'ai foutu de ma roulade, les amis? Là, voilà. Personnellement, oh, en plus on s'épuise, d'accord, j'avais pas fait gaffe, j'ai une jauge d'action, donc si j'en fais trop, c'est dans mon baba, je ne peux plus me battre. Oh, je l'avais pas vu. De la map, hein, tant qu'à faire. Oui, c'est bien un Castlevania-like. Hein. On se retrouve bien avec les mêmes principes d'endroits qu'on va explorer progressivement et des zones qui sont pas accessibles au début, qui vont peut-être se déverrouiller au fur et à mesure. Alors moi, j'en étais où? On m'a demandé de... Je peux échanger mon arme avec... Ok, j'en ai qu'une pour l'instant. Et dans le coffre, on m'a pas permis de ramasser grand-chose. Ça, c'est ce qu'on vient d'observer. Donc ça veut dire que vous avez une barre d'action en plus de votre barre de vie qu'il va falloir gérer subtilement pendant les combats, j'imagine. Et on peut améliorer ça bah, avec différents items qui auront une action passive. Ouh, ça a l'air gros ça. C'est gros. Fou, je prends cher. Je prends très cher. Alors, je disais tout à l'heure, je suis pas très fan de ces genres de jeux où l'aplat 2D est vraiment très flagrant. Et graphiquement, je suis pas très fan du rendu. Je suis pas très fan non plus de l'animation qu'on découle, qui est pas franchement formidable, j'aurais mieux fait de le dire. Et
Et du coup, c'est un style qui plaira à certains et à d'autres comme moi. Ça sera plus compliqué quand même. Tout est vraiment expliqué. Ok, donc j'ai une roue d'accès rapide à droite qui va pouvoir me permettre de sélectionner différentes choses. J'espère qu'il y aura des armes également, ce sera bien. Parce que je ramasse des trucs et je peux pas m'en équiper apparemment pour l'instant, c'est dommage. Faire beaucoup de mal à cette porte. Alors le truc étrange, c'est que tout se gère, oui, avec cette barre d'action là qui pourra vous mettre dans la panade si vous vous faites saturer par les ennemis. Et j'ai un peu de doute hein, concernant la maniabilité du jeu à ce sujet-là. Alors je suis désolé, on va aller vite hein, sur les dialogues. Vous aurez tout le temps d'en profiter puisque le jeu normalement bénéficie d'une démo, donc je ne sais pas si elle sera accessible. Probablement que oui. Et vous pourrez vous faire une idée vous-même en manipulant le jeu pour voir ce que ce Castlevania-like réserve. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai du mal avec un méchant qui s'appelle Mandarine.
Apparemment, l'émission, c'est pas ce qui va manquer. Je vais pas vous faire voir beaucoup plus loin sur cette preview de Vigil, puisque vous avez bien compris qu'on a un Castlevania-like. Il y aura de la baston, il y aura beaucoup de missions avec des PNJ qui vont vous filer des choses à faire. Faut aimer le style bien 2D old school, relifté version 2020. Les combats promettent d'être un peu tendu s'il y a du monde, parce que je vous le rappelle, en haut cette barre bleue qui est une barre d'action va vous porter préjudice quand vous ferez un peu n'importe quoi, que vous serez saturé par les ennemis, et ça risque de pas être simple en fait. Donc, je vous ai fait voir un petit peu toutes les choses du jeu. Maintenant, c'est à vous d'aller explorer cet univers qui promet d'être relativement vaste, j'imagine, et plein de grosses bastons, certainement. Je vais essayer de trouver un coin où je suis pas allé. Plateforme, combat, c'est tout ce qui vous attend dans Vigil. Je vais continuer de me bastonner et il y aura une playlist qui va apparaître suivie d'une autre, suivie d'un bouton d'abonnement, vous y croyez? Et à la fin, il y aura fondu vers le noir. Oui, c'est ça, The Big Game Oski aussi. Allez, ciao, j'y vais moi. Il y a une taverne pas loin, je le sens. Ah!
Alors le truc qu'il faut quand même noter, c'est que pour l'instant tout est facile et les combats j'ai pas trop eu à contrer. Hein. J'y vais vraiment en mode bourrin. Oui, je m'étais un peu trop enthousiasmé avec ma barre d'énergie que j'avais totalement oubliée. Je suis revenu où j'étais tout à l'heure. Ou que c'est les. Ou comme ça là. Je me suis fait ratatiner. Et vous voulez voir encore plus laid? Il faudra jouer vous-même à Vigil The Longest Night. Playlist, bouton d'abonnement. Et je vous abandonne sur de doux songes en passant à ce Castlevania-like. Ciao.